Bonsoir à tous les amis. Débriefing du PSG contre Marseille. Ben, on va dire OM PSG parce que c'était à Marseille. Triste match nul, franchement. J'aurais préféré voir des buts hors jeu. Il y a hors jeu, je peux rien dire. Mais si ça finit par un match nul, ça me va pour moi. Après, moi, je voulais que Paris gagne, mais on était à 10 pendant presque toute la deuxième mi-temps. Et franchement, le carton rouge, il est un peu sévère, mais il y a faute. Mais pour moi, il est sévère. Il aurait pu mettre jaune, parce que c'est sa première faute, mais je sais qu'il y a pas de défenseur derrière. Et quand il court, il lui prend au mollet, et puis. Au mollet. Et ouais, il prend vers le mollet, et puis il fait tomber. Malheureusement, c'est l'arbitre, c'est lui qui décide, mais rouge, pour rien dire. Neymar, catastrophique. Ce soir, je t'ai pas vu. Neymar, t'as fait n'importe quoi. T'as pas été à la hauteur d'un match classico. Messi, peut-être que t'as bien joué, mais tu marches, tu marches, tu marches. Le seul attaquant que j'ai vu défendre, c'est Mbappé. À un moment, il a défendu et c'est bien. Alors, moi, je veux bien qu'on achète des stars, qu'on achète des meilleurs joueurs du monde, mais si c'est pour marcher sur un terrain de foot, ça sert à rien, strictement rien. Après, j'ai vu Verratti blessé. Franchement, ça ne me rassure pas parce que en rentrant des vestiaires de la deuxième mi-temps, il se tenait les côtes comme ça. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave et qu'il reviendra. Hakimi, je pense qu'il va prendre deux matchs ou un match de suspension. Navas, franchement, bon match. Navas, bravo. Marquinhos, Kimpembe, bravo pour votre match. Franchement, vous avez bien fait. Mais la défense, au début, c'était pas ça. Mais après, c'est revenu. Ça va pour moi. La défense, ça va. Parce qu'elle a tenu. Nuno Mendes, franchement, il était très bon. Très bon. Franchement. On a bien fait de le prendre en prêt. Et franchement, il faut le prendre. Il faut le racheter. Wijnaldum, je t'ai pas trop vu. Parce que t'es venu pour 10 minutes. C'est ton premier classico. Et j'espère que tu vas te ressaisir au deuxième parce que je t'ai pas vu et j'ai pas eu ce temps pour te voir. Tu aurais dû rentrer avant. Idrissa Gueye, pas trop vu non plus. Di Maria, pas trop non plus. Pour moi, le meilleur, c'était Udo Mendes et Marquinhos. Les deux défenseurs, ils ont été bons. Sauf Messi, il fait peut-être des frappes, mais après, il perd la balle, il marche. Il se fait humilier par Messi. Payet. Mbappé qui prend un petit pont. À la fin, c'était soit on défendait tous ensemble ou soit on prenait un but. Et voilà. On a défendu, mais on n'a pas défendu tous ensemble. Je suis désolé. Alors, tu vois des joueurs qui marchent. Tu vois des joueurs. Alors, si vous n'avez pas envie de jouer, partez de Paris. Nous, on veut des gens. Un attaquant, ça peut défendre aussi. Ça aide ses coéquipiers. C'est pas parce que tu es en attaque que tu peux pas défendre. Tu es là, tu défends. Même si tu n'en peux plus, tu donnes tout. Sur un terrain, tu donnes tout. Je sais pas, moi je joue au foot. Sur un terrain, je donne tout. Que je sois attaquant, milieu de terrain, qui me mette défenseur, qui me mette gardien, je donne tout. Je me transcende. C'est ça le foot, il faut. Le foot, c'est donner tout pour son équipe. Même si tu es là, ton équipe elle est dans le mal, tu défends, tu es là, tu t'attaques, même tu prends 4-0, tu attaques, tu défends, tu vas au milieu, tu vas partout, tu es là. Je sais pas, mais moi Neymar, franchement, ce soir tu m'as dégoûté. Je pensais que Neymar t'allais faire un match. Je sais pas, au Brésil, tu es là, tu y gagnes, mais je comprends pas. Peut-être que je me trompe, mais ce soir j'ai fait un classico de merde. Je suis désolé de dire ça. J'ai pas vu un classico comme avant, je suis désolé. Mais les classicos où il y avait Cavani, Zlatan, c'était des classicos magnifiques. Et là, je vois, je suis désolé, mais je peux pas. On ne peut pas continuer comme ça. Bref, franchement, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Je peux pas. Comment tu peux faire un match comme ça? Bon, bref, les amis. Voilà, c'est tout.
Franchement, Navas, t'as fait un... bah, je leur dis, t'as fait un beau match. Et j'espère qu'au match retour, les Parisiens vont se rattraper et qu'ils vont jouer beaucoup mieux et qu'ils vont arrêter de marcher. C'est pas comme ça qu'on va gagner la Champions League. Et voilà. Bon, je vous fais tous. Oh putain, j'arrive même plus à parler moi non plus. Bonne fin de soirée à vous. Et bonne nuit à vous. Et dormez bien, prenez soin de vous. Partagez ma vidéo, likez, commentez. Et comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo ce week-end pour Lille PSG. Ciao les amis!